François Vidocq, né à Arras, rue du Miroir de Venise, le 24 juillet 1775. Pouvez-vous résumer votre vie en quelques phrases? J'ai été militaire, commerçant, chef de la brigade de sûreté. J'ai fondé en 1833 le bureau des renseignements pour le commerce, où je traque les filous et les mauvais payeurs. Eh bien, votre pose est fort brillante. Mais elle risque de heurter certaines âmes bien nées. Nos lecteurs ne partagent pas tous vos visions un peu... utopiques, disons-le nettement. Utopiques? Vous parlez bien de mon texte ayant pour titre « Considération sommaire sur les bagnes, les prisons et la peine de mort ». Vous pensez que le récit de la condition des prisonniers intéressera moins vos lecteurs qu'un feuilleton? Dans votre fameux livre, « Les voleurs », vous décrivez des comportements fâcheux qui n'invitent pas à la tolérance. Si je m'arrête, par exemple, à la race de l'empousteur. L'empousteur? Mais qu'est-ce donc qu'un empousteur? Voyons cela. L'individu se présente chez un marchand papetier et lui propose des crayons. Je viens vous proposer un lot exceptionnel. Regardez, je vous en offre 2 douzaines en dépôt pendant 2 semaines. Merci de votre confiance. Vous allez voir, vous allez tout vendre. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Quelques jours après, un individu vient demander au marchand des crayons en grosse quantité. L'individu achète tout et paie sans marchander.
regrettant qu'on ne puisse lui en fournir davantage. Dès le lendemain, l'empousseur, ou plutôt l'empousseuse, vient demander des nouvelles. Bonjour, madame. J'ai tout vendu. Je vous achète et je vous paie content. Tout ce que vous voudriez me vendre. Désire la montrer à la personne à laquelle elle est destinée. Pouvez-vous me faire accompagner d'un de vos commis ? Certainement. Robert ! Viens ici. Le voleur sort, accompagné du commis. Ils arrivent tous deux devant la porte cochère d'une maison de belle apparence. La porte ! Le commis passe le premier. À peine est-il entré, que le voleur tire la porte et se sauve dans la rue. Voleur de profession est celui qu'un long séjour dans les bagnes et les prisons a rendu familier avec toutes les idées du désordre. L'homme devrait être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Vos propos sont révolutionnaires. Ah ! Voilà un paradoxe pour l'homme d'ordre que je suis. J'ai dirigé un service de la sûreté, fondé une manufacture de papier infalsifiable, arrêté des centaines de malfrats, et vous osez me qualifier de révolutionnaire. La société, à leur nom, demande vengeance. Monsieur, la société en tant qu'être moral ne peut avoir de passion et ne peut demander vengeance. Je ne puis demander à mes lecteurs de s'apitoyer sur le sort des filous. Ceux que nous appelons les ramastiques, par exemple, ne doivent leur succès qu'à la cupidité des dupes. Le petit drame qui suit se joue tous les jours dans la capitale. Il est vrai que rien n'est plus facile que de tromper les hommes lorsque l'on caresse la passion qui les domine tous, la soif de l'or. Bientôt arrive l'individu qu'ils attendaient, tout trahi, le quidam aussi crédule qu'intéressé. Par à deux. Oh, la belle bague. Un reçu d'une somme de 20 000 francs pour la valeur de l'objet qu'il envoie à monsieur le comte de l'escalopier. Nous ne rendrons pas cela, n'est-ce pas? Monsieur le comte a bien le moyen de perdre quelque chose. Écoutez, vous me paraissez un honnête garçon. Je vous laisse cette bague, mais comme j'ai absolument besoin d'argent, faites-moi l'avance de quelques centaines de francs. Et donnez-moi votre adresse, bien sûr. Le cavé qui pense garder pour lui seul l'ensemble de la valeur de l'objet trouvé s'empresse d'accepter la proposition. Dans son fort intérieur, il se moque de son compagnon. Mais il déchantera lorsqu'il fera évaluer l'objet par un joaillier.
je ne pense pas pouvoir publier le paragraphe que vous consacrez à la peine de mort. La peine de mort est une peine inutile, car elle habitue le peuple au spectacle des supplices. Les exécutions sont censées servir d'exemple. Or, je ne pense pas qu'elles dissuadent les criminels. Au contraire, elles les aguerrissent. Cher monsieur Vidocq, votre manuscrit est intéressant. Mais il risque de heurter la sensibilité de nos lecteurs, qui sont gens de bien et de bonne mine. Tenez, voici l'adresse d'un éditeur courageux qui voudra peut-être... S'il le faut, je publierai moi-même ses écrits. Que les hommes impartiaux et éclairés me jugent et qu'ils ne tiennent compte que de mes intentions. Mesdames, messieurs, Vidocq vous salue.